Pour la première fois cette année, une comédie musicale en français va être jouée à Broadway devant le public new-yorkais. En pomme, en poire, ovale ou rond, faut du volume sous les tétons. Ok, on va reprendre à Les Gros Nichons. Ce que tu dois comprendre à ce moment et qui doit ressortir dans ton personnage, c'est cette curiosité, cette envie de les découvrir. Et toi, Sarah, tu dois te demander ce que veulent dire ces gros nichons pour toi. Après tout, ce n'est pas un poids facile à porter tous les jours. Ce qu'on veut ressentir, c'est l'émotion, mais également la question. Qui sont les gros nichons au fond ? De ça, comme des ballons, tant qu'il y aura du monde. Les Français ont toujours eu une influence notable sur les comédies musicales de Broadway, notamment avec des pièces comme Les Misérables. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était quelque chose de plus authentique, de plus moderne. On voulait une musique que les Français écoutent vraiment. Heureusement pour moi, à mon dernier voyage à Paris, j'ai pris un taxi et c'est là que j'ai pu rencontrer Philippe. Bah, moi, j'étais dans mon taxi, j'écoutais rire et chansons, comme d'hab. Voilà, quoi. Juste après le spectacle, les premiers avis sont plutôt encourageants. J'ai pas bien compris de quoi ça parlait, mais j'ai beaucoup aimé les nibards. Ça bougera dans les pantalons.